Un banal sac à 8 500 €, un parfum à 16 000 le litre, une montre aussi chère qu'une voiture. Ne pensez pas que 90% du prix c'est du marketing, non non, il y a des secrets fascinants derrière ces objets de luxe. Pourquoi les cuirs et fourrures sont-ils si chers? C'est pourtant pas logique, on tue plein d'animaux pour la viande, ça doit laisser beaucoup de peau, non? 300 millions de vaches chaque année. Sauf que dans le luxe on cherche la meilleure qualité, un animal ça se blesse, ça se frotte, ça abîme son cuir. Trouver une large pièce sans imperfection, c'est rare. Et puis la vache, c'est pas ce qu'on préfère. Il y a le veau, l'agneau ou même l'autruche. Les plus incroyables, c'est les peaux de reptiles, comme l'alligator ou le serpent. Plusieurs milliers d'euros pour un sac, contre quelques centaines pour du veau. Ces cuirs qu'on appelle exotiques sont à la limite de la légalité. Dans les années 70, la Convention de Washington a limité la chasse de plein d'espèces, dont le kangourou. Du coup, les entreprises achètent à des fermes, certains ont même leur propre élevage, comme Gucci ou LVMH. Des centaines de reptiles dans des piscines en béton, ça n'a pas manqué de provoquer des scandales, comme lorsque Jane Birkin, celle qui a donné son nom à l'iconique sac, a demandé à ce qu'on le change après la diffusion des images. Si vous trouvez le cuir cruel, la fourrure c'est encore pire. Généralement c'est du vison, 70% du marché, souvent produite au Danemark ou en Chine, dans des conditions douteuses, sinon c'est pas drôle. À Copenhague, on trouve un immense marché de la fourrure, où les peaux sont vendues aux enchères. Vous pouvez même y assister en direct sur Zoom. Forcément, on peut faire plus rare et plus cher. Je pense à la mignonne petite Zibeline. Plus de 70 belettes ont été nécessaires pour réaliser ce manteau Karl Lagerfeld à 1 million d'euros. C'est aussi le cas avec les chinchillas, dont la fourrure est la plus dense de toutes les espèces terrestres, 20 000 poils par centimètre carré. Un isolant thermique exceptionnel, sauf que les animaux sont tout petits. Il en faut près d'une centaine pour faire un manteau. Là, on dépasse facilement plusieurs dizaines de milliers d'euros. La pire fourrure, pour moi, c'est l'astrakhan. Ça se fait à partir du pelage d'un agneau spécial élevé en Russie, jusqu'à 5 000 € le manteau. Très souvent, ils sont gazés à la naissance, parce qu'après 3 jours, ils perdent leur couleur noire et leurs fines boucles. Il faut 30 agneaux pour faire un seul manteau. La gamme au-dessus, c'est l'astrakhan moiré, une version à partir d'agneau mort-né. On tue la mère pendant qu'elle est enceinte, ou on la fait accoucher avant terme. Évidemment, c'est beaucoup plus cher, jusqu'à 15 000 € le manteau. La solution la plus éthique pour porter des poils d'animaux, ça reste la laine. Dans le luxe, la plus connue est très certainement le cachemire, qui provient des chèvres du même nom. Là où un mouton produit 3 kg de laine par an, une chèvre cachemire, 150 grammes. On la récolte à la main avec un peigne, car on n'utilise que le fin duvet sous les poils plus épais. La plus chère de toutes les laines reste celle de la vigogne, un genre d'alpaga. Les Incas l'appelaient la laine des dieux, présente sur les armoiries du Pérou. Très difficile à élever à cause de ses habitudes de reproduction et de son sale caractère. 3 fois plus cher que le cachemire. Maintenant, la matière première, ce n'est qu'une fraction du prix. Revenons au cuir. Déjà, il y a toute la phase de tannerie pour empêcher la peau de pourrir. On peut la faire chimiquement, comme en Chine, et en quelques heures c'est plié, mais en Europe, on préférera la tannerie végétale. Plus saine, plus qualitative, mais qui peut prendre plus d'un mois, ce qui démultiplie les prix. Puis vient la manufacture. Vu le prix des matières premières, on peut pas se permettre de faire des erreurs. Et les finitions mains sont plus précises qu'avec des machines. Chez Hermès, les artisans du cuir sont formés pendant 3 ans pour finir par ne faire que 2 sacs par semaine. Alors pour répondre à la demande, une seule solution, embaucher plus, 45 000 € l'artisan par an. Mais plutôt qu'acheter du luxe, pourquoi ne pas placer votre argent en bon père de famille? C'est de l'éducation financière de base qu'on n'a pas tous eu la chance d'avoir. Et c'est ce que promeut notre partenaire Yomoni. Chez Trash, on refuse de promouvoir les sites de paris sportifs en ligne. Ça ruine la jeunesse. Non. Les 15 000 € du manteau dont on parlait, vous auriez pu les mettre sur une assurance vie, et chaque année, grâce aux intérêts composés, ça aurait pu doubler tous les 10 ans, voire plus. Rien de magique, hein, c'est le concept. C'est pas pour rien que c'est le placement favori des Français. Et Yomoni est un leader là-dedans. Votre banque classique pourrait aussi vous proposer une assurance vie. Mais Yomoni, c'est les moins chers, leurs rendements sont excellents, pas de papier, vous contactez un humain sur le chat quand vous voulez, et c'est paramétrable en toute simplicité. Vous déterminez votre niveau de risque, si vous voulez uniquement de l'éco-responsable ou non. Le tout régulé par l'autorité des marchés financiers. Alors ici, on s'adresse à des gens qui travaillent déjà. Je vous conseille d'en mettre un peu tous les mois en versement automatique, et dans 20 ans, vous me remercierez. Parce qu'avec l'inflation, l'argent qui traîne perd de la valeur. J'utilise Yomoni depuis 2019, c'est moi qui les ai contactés parce que c'est un bon plan. Alors téléchargez-les gratuitement sur mobile et commencez à investir. Pourquoi les parfums sont-ils si chers? Dans les années 30, le parfum Jean Patou Joy avait le record absolu. 160 € le flacon. À l'intérieur, 10 600 fleurs de jasmin et 330 roses.
Aujourd'hui, ce n'est plus si rare de voir des parfums dépasser plusieurs milliers d'euros. Et il faut toujours plus de fleurs. 100 kg de roses pour ne tirer que quelques centilitres d'huile essentielle. Toutes n'ont pas le même rendement. Si vous utilisez de l'oris, préparez-vous à payer entre 10 000 et 50 000 euros le kilo. Il vous en faut plus d'une demi-tonne pour produire 1 litre d'huile essentielle. Ou encore de l'oud, jusqu'à 70 000 euros le kilo, une résine sécrétée par la défense immunitaire d'un arbre pour se défendre contre une moisissure. Il n'y a que 3 espèces d'arbres qui peuvent le faire, seul un arbre infecté sur 100 va en produire. Et comme on ne sait pas lequel, ils sont tous abattus sans réfléchir pour trouver la poule aux œufs d'or. Pour tous les parfums de luxe, c'est la même histoire. On a besoin d'ingrédients rares, aux origines parfois étranges. Savez-vous ce qu'est le musc ? On l'utilise depuis une éternité pour fixer le parfum sur la peau et donner une odeur boisée au parfum. Où on en trouve ? Très loin du glamour. C'est un liquide produit par une glande près de l'anus des chevrotins en rut. En fait, l'odeur du musc, c'est pour attirer les femelles. On est obligé de les tuer et de leur couper 150 000 euros le kilo sur le marché noir. Dans le même genre, on a l'ambre gris, similaire au musc. Sauf que là, c'est littéralement du vomi de baleine. Des déchets vont s'agglomérer dans le ventre d'un cachelot qu'il va finir par vomir ou déféquer. À presque 15 000 euros le kilo, on va pas faire les difficiles, comme ce monsieur qui a trouvé un beau caillou de plusieurs kilos sur les plages anglaises. Voilà pourquoi aujourd'hui on utilise plutôt des copies de synthèse. Moins chères et un poil plus éthiques, par exemple avec l'ambroxane, à partir d'essence de sauge, qui a les mêmes caractéristiques. À ce prix-là, on se demande presque pourquoi les parfums valent pas plus cher. Mais évidemment, vous n'achetez que 20 à 40% du produit pur. Le reste est de l'alcool. Ça descend encore plus bas pour l'eau de parfum et l'eau de toilette. L'emballage aussi, ça coûte. Oubliez le carton ou le plastique, dans le luxe, c'est du cristal. Soufflé pour lui donner des formes splendides, parfois pailletées d'or. Et pour les plus ambitieux, les bouteilles sont même serties de diamants, comme le Chumuk, vendu 1,29 million de dollars. En vérité, dans le parfum, la matière première ne représente que 10% du prix. 40% étant dédié au marketing. Et oui, les égéries, ça coûte cher. Natalie Portman a gagné 28 millions d'euros pour 3 ans de campagne publicitaire, Brad Pitt 7 pour un seul spot TV chez Chanel. Versace, à leur époque, avait même eu la princesse Diana et Michael Jackson. Pourquoi les pierres précieuses sont-elles si chères ? Pour beaucoup, le diamant, c'est le top du luxe. Allez-y, hein, citez-moi quelque chose au-dessus. L'or, le palladium, le platine ? Un gramme de diamant de grande qualité, c'est 350 000 euros. Et un tout nul, 10 000 euros minimum. On parlera d'ailleurs plutôt de carats, un carat équivalent à 0,20 g. Alors certes, 5 carats purs, transparents, c'est rare, mais le prix va exploser avec la taille. Voici à quoi ressemble un diamant brut, et maintenant, une fois travaillé. Oui, en fonction de la forme, on perd plus de 70% de la pierre. Ajoutez à ça que les mines de diamants sont des monopoles. Notamment celui du groupe De Beer, qui a eu la mainmise sur 80% de la production de diamants pendant plusieurs décennies. C'est eux qui ont inventé le mythe du diamant sur les bagues de mariage. En contrôlant les stocks, ils ont entretenu cette fausse image de rareté. Aujourd'hui bien mise à mal, puisqu'on peut fabriquer ces diamants en laboratoire, vous avez même des options sur les sites de bijouterie. C'est pour ça que les plus riches s'intéressent maintenant à d'autres pierres. Pas les rubis, saphirs ou émeraudes, ça c'est pas assez cher. Plutôt la sérendibite, grandidierite ou taféite. En réalité, les pierres les plus chères restent bien les diamants, mais ceux avec une couleur spéciale. Rouge, rose étoilé ou bleu vivide. C'est pas à cause d'une impureté, mais de leur construction moléculaire. On ne sait même pas dans quelles conditions c'est physiquement possible. Voilà pourquoi il n'existe que 30 diamants rouges dans le monde. Et le plus cher, il a été vendu aux enchères de 2013, le Pink Star, 71 millions de dollars. Le diamant brut à l'origine de cette beauté faisait 132 carats. Après être passé chez le joaillier, il en restera moins de 60. Mais celui qui a battu tous les records, c'est le diamant bleu, le plus pur du monde, 3 400 000 le carat. Pour ceux qui se demandent, les perles c'est déjà beaucoup plus abordable, c'est une sorte de déchet produit par le système immunitaire des huîtres. À une époque, fallait plonger et avoir de la chance pour en trouver une. Aujourd'hui, bah, c'est des élevages. Bien qu'on ait un contrôle limité sur la formation, ça prend quand même plusieurs années. Ces objets de luxe où la main d'œuvre coûte très cher. Oui, elle est parfois plus chère que les matériaux eux-mêmes. Il suffit de regarder un horloger travailler. Tout est fait à la main, avec des finitions parfois laborieuses, comme pour faire les anglages, une pièce de finition qui demande des dizaines d'heures de travail. Chez Rolex, il faut presque une année pour monter une montre, avec des horlogers payés 90 000 euros par an. Les revendeurs sont obligés de vous mettre sur une liste d'attente, certains modèles nécessitant d'être très patients.
Vous voulez une GMT Master 2 à plus de 10 000 euros ? Peut-être dans 20 ans. Alors après, ça, c'est le glamour qu'ils veulent se donner. Il y a de très rares images des usines Rolex, et c'est tout de suite plus industriel. Ce qui fait croire à certains que la pénurie de Rolex est voulue, et qu'en appuyant sur un bouton, on pourrait honorer toutes les commandes. C'est un peu comme la hype d'Hermès et ses sacs Birkin. Impossible d'en commander un. Si vous avez de la chance, le magasin en a un seul neuf, si bien que les sacs d'occasion sont vendus plus cher qu'à l'achat. En termes d'attente, vous avez aussi les couteaux japonais, connus pour être plus précis et légers que les européens. Comptez 10 ans de formation pour l'artisan. Rien qu'aiguiser une lame dure une journée entière. Et ces marques sur les couteaux, c'est pas uniquement pour faire joli. Les lames sont volontairement irrégulières pour éviter que les légumes accrochent à la coupe. Finir une telle œuvre peut aller jusqu'à 10 jours de travail. Vous voulez le meilleur ? Cherchez un Kazumi, mais armez-vous de patience. L'attente peut durer jusqu'à un an. Comment parler de savoir-faire ancestral sans évoquer les instruments de musique ? Il n'y a pas moyen d'automatiser la production d'instruments d'exception. Ça dépend entièrement du talent des artisans, par exemple les iconiques pianos Steinway, souvent cités parmi les meilleurs du monde. C'est 11 mois pour faire un piano dans l'une des deux manufactures. La table d'harmonie, la partie qui reçoit la vibration, est faite uniquement en bois de Sitka qui ne pousse que sur la côte ouest du Canada. Il ne sélectionne que certaines planches très compactes avec des nervures bien droites pour avoir un son parfait. Car le son, c'est l'obsession. Les touches sont retravaillées une par une pour harmoniser l'instrument. Il n'y a que deux artisans à New York autorisés à ajuster leur poids. Avec tout ça, on parle de piano à 200 000 dollars, et si vous avez envie qu'il soit personnalisé, ça explose. Quand on veut impressionner mais qu'on sait pas jouer de piano, il y a toujours le grand classique, la voiture de luxe. Le meilleur exemple, c'est Rolls-Royce. Premier prix, 300 000 euros à l'Argus et un an et demi d'attente. Là, la personnalisation est poussée à l'extrême. Vous vous contentez pas d'entrer dans une boutique et acheter, non non. Vous choisissez une base, ensuite ils s'occupent du reste. Les couleurs, les matériaux du tableau de bord, le bouchon du radiateur, si vous avez les moyens, il n'y a pas de limite. Des clients ont même demandé à ce qu'on reproduise le ciel du jour de leur naissance avec les LED du plafond. Et vous voyez la ligne iconique de la voiture. Il n'y a qu'un seul homme au monde autorisé à le peindre, Marc Courte. Et il le fait à la main. Si votre voiture n'en a pas, l'entreprise l'envoie en avion chez vous où vous habitiez. Et il vous le peindra à domicile. La vraie raison pour laquelle le luxe est si cher. Burberry brûle tous ses stocks d'invendus. Des sacs à 3000 euros en fumée. Des produits pourtant d'excellente qualité. La cause, c'est le sentiment de rareté, bien sûr. Les marques le savent. L'exclusivité, ça donne envie. Le mettre en la matière, c'est suprême. Leur principe est simple, fabriquer en quantité limitée. Certes, le prix des vêtements est pas si élevé, comparé à Gucci ou Louis Vuitton, mais une fois en rupture de stock, ils prennent jusqu'à 30 fois leur prix. Des t-shirts à 30 euros qui se revendent plusieurs milliers. L'autre technique, c'est les soldes. Des marques comme Rolex ou Hermès n'en font jamais. Un prix trop accessible nuirait à leur réputation. Si tout le monde peut acheter la même chose, ça perd de son aura. Chez les économistes, on appelle ça l'effet Veblen, ou effet de snobisme. Monter le prix d'un objet de luxe augmente sa demande. Certains pourraient me dire, si ce n'est qu'une question d'image, pourquoi tout le monde ne se jette pas sur les contrefaçons ? Et vous avez raison, mais c'est pas si simple. Et ça a été montré par la science. Des chercheurs ont expliqué à un groupe d'enfants qu'une machine allait cloner leur jouet préféré. Et ils vont pas leur rendre l'original, mais la copie. Bah là, les enfants n'en voulaient juste plus. Forcément, ils ont attaché des sentiments et des souvenirs à l'objet d'origine. Ça prouve aussi que la valeur qu'on accorde à un objet a plus d'importance que ce qu'il est réellement. Quand on est convaincu qu'un objet a de la valeur, il gagne en importance pour nous. Regardez les Louboutins. D'accord, ils utilisent des matériaux coûteux, mais ce que vous payez, c'est avant tout l'iconique semelle rouge. C'est pas pour rien qu'ils ont déposé le concept. C'est un phénomène qu'on observe encore mieux en Asie. En Chine, on utilise beaucoup le luxe pour exprimer son succès. Ça donne un puissant sentiment d'accomplissement. Et c'est vite la course à l'objet le plus unique, au point d'engager des Occidentaux pour leur acheter des nouveautés directement sur place. Alors oui, l'industrie du luxe est peut-être polluante et élitiste, mais elle fait aussi vivre des savoir-faire uniques, ne délocalise presque pas et fait rayonner la culture dans le monde entier. Ces objets peuvent être un véritable rêve, ils s'offrent à ceux qu'on aime parce qu'ils incarnent beauté et délicatesse. Ne gâchons pas ça en les rendant vulgaires. Encore merci à Yomoni, vous pouvez télécharger l'application et commencer à investir. Allez les amis, ciao !